Nous allons parler d'autre chose, complètement autre chose. Nous allons, on va dire, rentrer dans les profondeurs. Et oui, les profondeurs de la mer. Et oui, avec cette belle initiative et cette belle expérience qui s'est déroulée du 1er au 7 décembre dernier. Ça s'appelle, pour être plus exact, Ipon Sub, expédition Ipon Sub à Annaba. Mais on va avoir plus de détails avec nos invités. D'abord, Wahid Djellouli, qui est directeur technique et artistique de cette revue que je vous avais présentée tout à l'heure en début d'émission, Aquarève, que voici. Et ça, c'est le dernier numéro, on y reviendra dans un moment. Et avec nous aussi, docteur Emir Berken, qui est aussi plongeur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci à vous, Lille. Alors, on commence par quoi? On commence d'abord par cette expédition. Ben oui, d'abord, il faudrait dire que le numéro auparavant, le numéro 11, a parlé de l'expédition, donc un préambule. Parce que vous étiez déjà venu annoncer l'événement. Hein. Tout à fait, pour que les gens se remettent un peu dans le bain, ou dans l'eau, si j'ose dire. joli jeu de mots, bravo. D'accord. Donc on a parlé, c'est Dr Emir Berken qui l'a écrit, avec subtilité d'ailleurs, que je remercie. Et donc, sur le numéro 12, on parle des coulisses de cette expédition. Et l'expédition a eu lieu du 1er au 7. Le prochain numéro, ça sera un dossier. Alors là, il faut l'attendre. Parce que justement, quand j'avais lu le dernier numéro, que voici, je m'attendais à trouver tous les détails de l'expédition. Ben, on était en pleine expédition quand le numéro est sorti. Ça sera pour le prochain numéro. Jambier. D'accord, donc ça c'est l'avant, ça c'est la revue du mois de novembre. D'accord. C'est dans celle-ci que vous avez expliqué, écrit. Que nous annoncions donc l'expédition, les modalités de l'expédition, l'historique aussi de l'expédition, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première expédition sur le lac souterrain de Bir Asmen, donc à Guelma, je précise. Donc il s'agit de plongée souterraine. La première expédition remonte quand même à 1887, hein, c'est l'expédition Rouillé qui avait fait la première, le relevé topographique du lac. Ensuite, s'en est suivi d'autres expéditions, Jean Sander, 29, Verver, 53, et surtout celle sur laquelle nous sommes basés, celle de Mohamed Hanafi en 98. Donc un natif de la région qui avait le premier plongé donc, dans ce fameux lac et qui avait découvert cette fameuse barque. Donc, qui a un nom. Alors, qui maintenant a un nom, justement. Qui maintenant a un nom. Donc, à l'époque, Hanafi avait découvert cette barque. En juin dernier, sous la tutelle des ministères de l'Environnement et de l'Éducation, nous avions monté une première expédition avec Ipon Sub d'Annaba et l'association ADEM de Mulbouaké. Et nous avions confirmé les résultats de l'expédition Hanafi de 98. Nous avions aperçu la barque, nous avions trouvé une première inscription sur le côté tribord, donc il y avait écrit Bon, l'ancien nom donc de Annaba, de la coquette, ce qui démontrait que l'embarcation était enregistrée à Annaba avant 62, mais nous n'étions pas parvenus à trouver le nom. Alors, les objectifs de cette expédition-ci, qu'on avait d'abord, c'était de pousser l'expédition plus loin, vu que il n'y a pas de plongeurs souterrains en Algérie. Enfin, il n'y en avait pas jusqu'à la semaine dernière. Mm-hmm. Donc, ce qu'on appelle les plongeurs sous plafond, avec des aptitudes à aller en épave, en caverne, en plongée souterraine. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à notre ami Pascal Bernabé. Mm-hmm. Qui est champion du monde. Qui est double recordman du monde, donc de plongée profonde, moins 330 mètres. Donc, c'est un record. Ben, c'est le record qui n'a pas encore été battu. Non. Et c'est aussi le recordman de plongée souterraine, donc moins 174 mètres. Mm-hmm. Alors, comment on a vu les choses à l'époque, on a pensé faire appel à Pascal, d'abord pour former des plongeurs algériens. Chose qui a été faite du 1er au 4 à Annaba. Mm-hmm. Donc, Karim Chiri, Lies Bassaïd, Mel Kassi et moi-même avons été les stagiaires de ce stage, donc de plonger sous plafond. Parce que le but, c'est un petit peu aussi de transmettre un savoir. Ben oui. Qui n'existe. Si vous invitez champion du monde, c'est transmettre le savoir. Il faut bien en profiter. Ben oui, parce que par la suite, il s'agira aussi de former nos pairs, de former les plongeurs algériens à ça. Du 5 au 6, nous sommes allés sur site, donc sur le lac souterrain de Bir Asmen. Mm-hmm. Et là, Pascal a été fidèle à sa réputation d'explorateur et il nous a juste découvert une nouvelle galerie de 121 mètres, sachant que les deux premières galeries étaient, donc la salle 1 et la salle 2,
était respectivement de 20 et 40 mètres. Là, il est parti sur 121 mètres. Mm-hmm. On a remonté le nom de la barque, donc la Georgette René. Mm-hmm. Et autre découverte, nous avons découvert une seconde barque. Mm-hmm. Découverte inattendue aussi, peut-être qu'on a aperçu de la vie au lac souterrain de Brasmes, ce qui est tout à fait inattendu. D'accord. Alors, je crois qu'il a tout dit, finalement. Tout à fait, j'ai rien à dire. Ça n'a rien laissé dire. Ça sera dans le prochain aquarelle parce qu'il est quand même consistant. Mm-hmm. C'est vrai que le docteur Émir, il a cette subtilité de bien résoudre. Il en parle tellement bien qu'on a envie de l'écouter. Il sait il sait de quoi il parle. Vous savez, en tant que plongeur, moi je ne plonge pas, je plonge ailleurs. Mais en tant que plongeur, il y a un engouement et puis il y a beaucoup de bonheur et de plaisir. Et je voudrais que tous les jeunes, j'ouvre un guillemet. Oui. L'engouement est beaucoup plus féminin que masculin. Mm-hmm. Donc, c'est vrai, j'invite tous les jeunes à faire de la plongée. La mer, bien sûr, parce que là, pour les lacs et tout, c'est tout... Ça, c'est un point que je vais développer avec vous tout à l'heure, parce que vous avez parlé de plongée sous-marine, plongée souterraine... Sous plafond. Il va falloir nous expliquer avec ça. Plaisir. Mais avant, je demande juste à la régie, est-ce qu'on a une vidéo à voir, c'est ça? On va aller voir une vidéo concernant cette expédition, et puis on reviendra juste après avec le flash d'information, la météo, et on reprendra notre débat, et j'aurai des questions à vous poser. Avec Mais plaisir. Alors, on y va pour la vidéo. Impressionnant. On dirait un film. les dents de la mer ou un film, Le Grand Bleu. Peut-être moins effrayant, peut-être Chouaïa avec Nicolas Hulot. Enfin, voilà. On n'a pas cette prétention, mais c'est vrai que l'expédition en elle-même est... Et là c'est, en fait, c'est qui est en train de prendre... Alors justement, vous me tendez une perche. Après avoir fait l'expédition de juin, donc, on a fait appel à un professionnel, donc que ce soit pour donc, un photographe sous-marin professionnel, Selim Bodka, de Tunisie, qui est un habitué de Discovery Channel, BBC, Odyssey. Mm-hmm. Et on a fait appel à lui pour immortaliser l'expédition. Ce moment. Donc, notamment... C'est lui qui a fait cette photo, la une. Tout à fait. D'accord. Et donc, Selim sera donc aussi chargé donc, de réaliser un livre d'art dont je signerai modestement les textes pour faire vraiment partager le détail et les dessous de cette expédition, et parce qu'il y a de très 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 belles images à voir là. De toute façon, les images, on peut il y en a d'autres, il y en aura dans le mur d'aquarelle, dans cette revue, ou c'est juste la première, la une? Non, ça c'est la une, mais bon, pour ce qui concerne l'expédition, le prochain numéro sera le prochain numéro, mois de janvier, Inch'Allah. Donc déjà là on a de très belles, elles sont prises par qui? Ça c'est le festival, ça c'est le 38e festival de l'image sous-marine, c'est un peu Cana de la plongée. Donc, où l'Algérie a été représentée par Aquarium Magazine pour la première fois. Donc ça, c'est les images primées du festival. D'accord. Elles sont très belles. Très bien, on est en train de les voir. Alors, avant de nous quitter et avant de revenir sur cette revue, d'abord cette question, vous avez parlé de plongée sous plafond. Ça veut dire quoi, ça? Alors, la plongée sous plafond, et à ce titre, justement, j'en profite pour remercier monsieur le président de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques, donc la Fédération de plongée, grosso modo, monsieur Chkaron et son secrétaire général Eid Saadi, qui ont été la tutelle de cette expédition, et qui ont été très réceptifs à la création de cette nouvelle discipline. Alors la plongée sous plafond, ça comporte la plongée en épave, la plongée en caverne et la plongée en grotte. D'accord. Donc
Tout endroit où on ne peut pas ressortir directement à la surface. Waouh! Oui, ça fait peur, pas ça fait rassurant, flipper, hein? Mais c'est pour ça qu'il faut des formations pour ça. Il y a des spéléoplongeurs en Algérie, il y en a toujours. Et eu. On en est où par rapport à la formation? Alors, la formation, nous sommes le premier round de formation s'est déroulé du 1er au 4 à Annaba, donc, avec Pascal. Le second round se déroulera en France, donc les quatre stagiaires partiront en France en janvier pour le second round. Donc on partira à Gramat dans le Lot, c'est un petit peu la Mecque de la plongée souterraine en Europe. Et le troisième round s'effectuera de nouveau en Algérie. D'accord. Donc ça, c'est une formation qui va s'étaler sur 6 mois. Le Centre culturel français aussi est partenaire ainsi que le consulat, l'ambassade de France. En la personne de Monsieur Patrick Garot, directeur du CCF, que je remercie C'est pas aussi. chanteur, hein, Garot. Pas celui-là, ça s'écrit avec un D, mais qui a été partenaire de cette expédition, qui est partenaire de cette formation, tout comme l'ont été les wilayas d'Annaba, celle de Guelma, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les sûretés de wilaya, ouais, vous n'avez oublié les partenaires, la protection civile qui a fourni toute la logistique, nos partenaires Fercial et Benamor qui ont payé la formation. La radio et la télévision, hein, voilà. Ben merci beaucoup, en tout cas c'est très passionnant, vous en parlez vraiment avec passion. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous interrompre, parce qu'on apprend beaucoup de choses avec vous. Et c'est loin d'être terminé. Moi, je vous propose de revenir nous rendre visite lors de la prochaine formation pour déjà l'annoncer. Et puis, une fois que c'est fait, vous venez nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert. Et nous, ça nous intéresse. D'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'une prochaine expédition est prévue premier semestre 2012. Parce que, semblerait-il, on n'a pas encore les preuves matérielles pour parce que bon, je suis scientifique, hein, donc il s'agit de preuves scientifiques, d'offrir des preuves scientifiques. Mais semblerait-il qu'il y a de la vie au lac souterrain de Birasmen. Waouh! Là, oh ça là. Serait... là, on viendra avec nos caméras. Écoutez, on viendra. Les caméras de la 3 étaient présentes lors de l'expédition de la semaine dernière. Et la prochaine, ce seront celles de Canal Alger. Ben, ça sera avec grand plaisir. Inch'Allah. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, monsieur, je reprends juste votre nom, Wahid Djellouli. La revue, donc, Aquarève. Prochain numéro, mois de janvier. Inch'Allah. Mm-hmm. Les nouveautés et surtout un résumé, on va dire, ou plutôt, tout sera détaillé par rapport à l'expédition. C'est le film de l'expédition. Mm-hmm. Tout le film de l'expédition. C'est une surprise, ça va être quelque chose de nouveau, mm-hmm. qui n'a pas été édité. C'est Vous quand en même... êtes sûr? Tout à fait. Il est sûr plutôt, de lui. Oui, tout maintenant. À fait, tout à fait. D'accord. Croyez-moi, avec des photos d'un Slim Bakar. Mm-hmm. Et les écrits d'un docteur Émir et d'autres, mm-hmm. croyez-moi, c'est très très beau à voir et à lire et à prolonger. Inch'Allah, Inch'Allah, on attend ça avec impatience. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer. Ces numéros sont toujours disponibles. Hein. Ils sont en vente. Ils sont en vente. Donc celui de novembre et celui de décembre, en attendant celui de janvier. Merci beaucoup. Inch'Allah. Vous voulez c'est ajouter moi. Quelque chose? Je vous laisse un grand merci pour Canal Algérie qui est toujours présent pour. Les nouveautés. Ah non, la prochaine expédition, il faudra vraiment qu'on soit présent. Hein, parce que surtout, vous avez dit qu'il y aura, de la vie, il y a de la vie. Alors, je vais vous le dire, un poisson de la taille de 10 à 15 cm, dépigmenté, donc tout blanc, ce qui prouverait qu'on a affaire à une espèce autochtone qui s'est développée dans le noir au lac Birdman, a été aperçu par l'un de nos plongeurs, en l'occurrence Patrick Garot. Oh là là, c'est quand la prochaine expédition? Alors, le temps de lever des fonds. Mm-hmm. Comme, ça demande, oui. Oui, et bon, nous compterons, j'espère, à ce moment-là sur les ministères de tutelle. Et on compte sur vous pour nous tenir informés. Et de reprendre nos souffles aussi. Hein. Non, mais vous êtes vraiment, vous adorez les jeux de mots. Hein. Journaliste, oui, je sais que vous êtes journaliste, je sais. Mais les jeux de mots, c'est pas tous les journalistes qui utilisent des jeux de mots. Hein. J'adore. Ah, bah, très bien. Il a commencé tôt, à 6h du matin déjà. Je vais venir prendre des cours chez vous, perfectionner mes jeux de mots, parce que moi aussi j'adore les jeux de mots. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est gratuit pour Canal Algérie. En plus, ça rime. Gratuit pour Canal Algérie. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment un plaisir que de vous recevoir. Et à très bientôt, Inch'Allah. On se donne rendez-vous donc prochainement sur.